La sionite, qu'est-ce que c'est? C'est mon nouveau néologisme. À ne pas confondre avec le sionisme. Le sionisme est une idéologie autoritaire, totalitaire, alors que la sionite est une maladie. Une maladie imaginaire qui creuse dans votre subconscient des déficits pour vous inciter à emprunter des tunnels. Pa, pa, pa ! Qu'elle bombarde ensuite ! Elle creuse dans votre subconscient des déficits, elle vous incite à emprunter des tunnels et elle bombarde ensuite. Avec la sionite, il n'y a pas d'échappatoire possible. Vous avez toujours, toujours quelque chose à vous reprocher. Malaise sans trêve qui vous étrangle, puis vous achève. Ça endommage les facultés de discernement en reposant tout sur les affects. Ça rend toute foi mauvaise, voire abjecte. Et quelques Français en sont atteints. Quelques gouvernants qui n'ont plus tout leur sens d'orientation. Quelques intellectuels qui ne savent plus ce que c'est que penser juste, voir clair, sentir bon. Pauvre Finkielkraut. Il est en pleine phase de décomposition. Il est malade, complètement malade. Il ne nous voit plus naître libres et égaux, mais victimes et bourreaux. Victime d'hier, bourreau d'aujourd'hui. Je parle de lui et de ses amis. La sionite. Pour ceux qui savent encore distinguer entre esprit sain et esprit malsain, c'est la maladie de celui qui vous traite d'antisémite parce que vous avez eu le malheur de dénoncer les abus de pouvoir d'un État qui s'octroie tous les droits.